Résultat, vaccin fait, petite Alba fait 64 cm pour 6 kilos, elle a 5 mois. Sinon, bah écoutez, rien à signaler, hein, elle pète la forme. L'allaitement, c'est toujours bon. Elle me posait la question sur quand est-ce que je comptais commencer la diversification. Et je pense que je vais commencer en septembre, quand Mathia et Maë seront retournés à l'école. J'aimerais bien lui faire moi-même les petits pots. Donc voilà, je vais utiliser le Majlimix et acheter ce qu'il faut. Mais pour ça, je vais être au calme à la maison. Donc je vais attendre que Mathia et Maë rentrent tranquillement à l'école. Et je vais commencer ça avec petite Alba. Autre petite chose, il faut que j'aille faire une radio. Mathia, elle s'était fait mal au pouce la semaine dernière. Et du coup, comme il est encore douloureux, elle préfère que j'aille faire une radio. Donc il va falloir que je trouve un endroit aujourd'hui pour aller faire une radio au petit Mathia. Voilà. C'est tout? Ouais? Allez, go, on rentre. Vient de rentrer, Mathia va bien, ses 10 petits doigts aussi. C'est cette petite madame qui est pas très en forme, elle a eu ses vaccins ce matin et c'est un petit peu compliqué pour elle. Je sais pas comment vous gérez vous, mais Alba, c'est un déchirement ces vaccins, elle a tout le temps très très mal. Pourtant, je l'allaite au moment de l'injection, mais elle me brise le cœur à chaque fois. C'est vraiment voilà, un mauvais moment à passer. Sinon, il faut que je me dépêche de terminer à faire un petit coup de rangement dans la maison parce qu'après Amy a son cours d'anglais. Et voilà. Qui c'est qui va revenir? Et ben Joe, Lola et Yacht. Et pas Lucas et Alessio, les voisins. D'accord. Un avant-goût de la Moselle cet été. Joli ciel bleu. Petit ciel noir. Tu vas où? Au McDo. T'as faim? On va continuer. Ici, on a des planètes. Elle est dans l'espace. Elle vient de terminer son cours d'anglais. Vous savez, je vous en ai parlé il y a quelques temps. On a inscrit Alessio à l'Académie Skyeng. C'est la plus grande académie d'Europe avec des professeurs qui vous apprennent l'anglais via une application. Et Alessio, il adore. Et Amy, elle voulait à tout prix tester. Et du coup, aujourd'hui, elle a fait son premier cours. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était trop bien. Elle était gentille? Oui. Voilà. Franchement, c'est top. Alessio, il adore. Il en fait assez régulièrement. Et je pense vraiment que ça peut que être bénéfique pour lui, surtout avec l'entrée au collège. Elle me demande Bichette si elle peut refaire. On va voir parce que j'ai Nino aussi qui voulait tester. Ça s'adapte vraiment à l'âge de votre enfant et c'est hyper ludique parce que c'est quoi le personnage là? C'est un petit extraterrestre. C'est un petit extraterrestre et du coup il avance dans le temps. C'est vraiment bien fait. Donc voilà. Et en plus, comme on vous le disait, on aimerait voyager plus. Et là même à Saint-Ourin, hein, les gens ils parlent quoi? Ils parlent quelle langue? Anglais et tout. Voilà, donc voilà, ils ont tous pris conscience que l'anglais c'était quand même assez important, donc on va vraiment les pousser dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je vous cache pas qu'il faut que je prenne des cours et que je crois que j'ai le même niveau que toi. Et voilà, donc si ça vous tente, vous aussi, de tester l'Académie Skyeng, vous avez le code Camille Santoro qui vous donne droit au premier cours gratuit et moins 20% sur les 8 ou les 16 cours d'anglais.